Bonjour Mutulisol, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. Je viens ouvrir un nouveau blog. Je devais l'ouvrir hier. Désolée, j'ai mis mon pouce, mais je ne sais pas quel jour on est. Bon, le 1er mars, je suis bête. Je devais l'ouvrir hier. Parce qu'aujourd'hui, on est le 1er mars, mardi. Mais hier, je sais pas, j'ai complètement zappé de vous prendre. Voilà, j'essaie de faire un truc pour vous mettre. Voilà. Hop, et là il est quand même tard, il est passé 6, il est 6h, presque et demi, exactement, je sais pas. Voilà, parce que ma série va bientôt commencer. Et puis hier j'ai fini mon livre, je vous en ai pas parlé non plus, mais j'en ai parlé dans le point lecture qui est sorti pour vous, qui est déjà sorti. Pour moi, il est sorti hier soir. Voilà, n'hésitez pas à le retrouver. C'est un livre que j'ai un peu eu marre de le lire. Dimanche, j'ai lu assez bien. Je vous avais dit, j'étais arrivée. J'avais pas beaucoup lu tout le reste de la semaine. Mais dimanche, j'ai eu tout mon temps. Du coup, je me faisais des petites séances de lecture et des petites pauses. Mais vraiment des pauses de 20 minutes, plus ou moins, pour lire. Et je lisais. Allez, j'essayais de lire 20 pages. Excusez-moi, mais j'ai une toux. Et lundi, j'ai fini le livre au matin, très tôt matin. Et après, je n'ai plus lu. Et au soir, j'ai regardé Top Chef. J'ai fait plein de ménage hier. Je suis contente. Je faisais encore du ménage à 6h, pour vous dire. Parce que hier, j'ai quand même fait deux machines. J'ai rangé un coin qu'il fallait que je range depuis un moment. J'ai nettoyé le coin où j'ai rangé. Du côté de mon arpachat, en fait, où le chat, voilà, je l'ai poussé. Ça fait un moment que je vais le faire et je prenais pas le temps de le faire parce qu'il faut que je le pousse, que je nettoie, que j'essuie et que j'attends que ce soit sec pour le remettre. Ça me calait comme je devais faire à manger en même temps. Du coup, je l'ai reculé, j'ai nettoyé, je passais même un halo, j'ai fait à manger. Et voilà, j'ai rangé ce coin-là, j'étais contente. J'aimerais bien faire l'autre coin, le pouf, que je ferai, je sais pas quand, parce que là, j'ai une migraine que j'arrive pas à faire partir. J'ai une tête pas possible aussi. Mais j'étais au sport aujourd'hui, du coup, voilà. J'ai pas encore été prendre ma douche. Mais parce que quand d'abord, j'ai une grosse migraine depuis hier. C'est les lumières, ils me font mal aux yeux, je ne sais pas. Du coup, je ne prends pas le temps de lire. Du coup, voilà, ma migraine est toujours là. J'espère que ça va aller mieux. Aujourd'hui, j'ai fait sport. Quand je suis rentrée, j'ai fait le gâteau pour mon papa. Demain, c'est son anniversaire. Du coup, voilà, je lui ai fait un gâteau. Vous le verrez peut-être plus à cette. Je vais faire après parce qu'il faut que j'oublie. Vous l'aurez. Je vais le mettre en story. Comment on dit à la une? C'est ça qu'on dit, je crois. Dans les petites bulles là. Avec la recette. Tout sera dans la petite bulle là. Et vous pouvez les retrouver du coup. Et je marquerai gâteau. Recette de gâteau. Voilà. Et après je me suis reposée. J'ai regardé des vidéos. Et voilà. Aujourd'hui j'ai un peu pris. Et au matin j'ai un peu lu. Enfin, j'ai demandé sur Insta quel livre qu'ils veulent que je commence. Parce que je vous les montrer tous. Comme ça, voilà. J'avais. Destin troublé qui me reste à lire pour le défi 65 jours et alors Engrais et c'est celui-ci que vous avez choisi. J'ai lu 20 pages ce matin. Ouais, j'espère que je vais savoir lire, que mon peut-être prendre un recachet avant de lire. Voilà, j'ai un gros mal de tête, j'espère que ça va passer. Voilà. Du coup, bah hier j'ai fait beaucoup de ménage. J'ai terminé le livre au matin et après j'ai. Ouais, hier c'est quand même que j'ai tourné deux vidéos. J'en ai monté deux. Une pour bah hier. Je l'ai montée direct. J'ai monté celle de mercredi. Il faut que demain, absolument demain, que je monte la vidéo de la pale de mars. C'est les livres que vous venez de voir. Voilà, il faut que je aie des livres entre temps parce que normalement j'en lis 4 par mois. Du coup, je mets en barre d'infos, enfin, barre
Parce que elle est déjà. Il faut que je la monte du coup. Il faut que je monte cette vidéo-là. Que je la fasse demain absolument. Que je la mette pour vendredi. Le samedi, normalement, il devait avoir un vlog. Mais il s'est passé un truc avec le vlog de la semaine passée. J'ai perdu des rushs. Et j'ai vraiment pas envie de vous mettre 3 jours de rush. Voilà. C'est vraiment stupide de mettre. Du coup, voilà. Mon chat qui essaie de se cacher. Et du coup, voilà, vous aurez pas de vidéo samedi, c'est pas grave, c'est pas pour une fois. Mais vous aurez ce vlog la semaine d'après. Doudou, t'as fini. Au début, j'avais envie de vous faire un vlog, mais de 20 minutes. Je regarderai demain si je peux faire un vlog sur quelque chose. Peut-être une petite vidéo en vitesse sur 2-3 livres qui me plaisent ou le top de livres que je vous conseille à lire. Peut-être que je pourrais faire ça demain, regarder et vous l'insérer samedi à la place du vlog. Pourquoi pas? Je vais regarder à ça demain. Les livres qui m'ont plu. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, ben, je vais regarder à ça quand même. Du coup, hier, j'ai quand même fait deux tournages, deux montées vidéo. J'ai ça m'a pris pas trop longtemps quand même parce que voilà, j'avais pas trop de trucs à faire dessus dans la vidéo. Un peu plus pour la Pokémon. Parce que c'est une qu'on avait beaucoup tourné, enfin, on a eu beaucoup de problèmes avec le focus. Du coup, j'ai dû couper plusieurs fois, enfin, faire des cup. Ça m'a pris un peu plus de temps. Voilà. Mais ça a été. Et après, j'ai mis celle de lundi. Je l'ai mis hier soir. Puis, j'ai fait mes deux machines. Mais tant que j'en tournais une vidéo, j'avais mis la machine en route et je l'ai mis sécher entre les deux. J'avais mis la deuxième en même temps. Après j'ai fait quoi? Ben, mes vaisselles, préparé à manger, j'ai fait hier des chicons avec des oignons, avec des champignons. Du coup il fallait le temps que je fasse tout ça. Voilà, j'ai fait ranger mon petit coin, j'ai fait plein de choses, j'étais contente. Voilà, le seul truc que pour le moment que je fais pas, c'est lire. C'est embêtant, mais voilà. Mais il faut que j'avance dans celui-là. Et mon marque-page, bon, comme je suis à 20 pas, 20 pas, je sais. T'as vu qu'il est beau? Voilà. Voilà. Il faut absolument que je continue à lire. Voilà. Là, je vais aller me chercher à boire. Je me prends un yogourt. Ou une glace. Je sais pas, j'hésite. Voilà. Et voilà. C'est tout ce que je vais vous dire. Je lis pas beaucoup. Du coup, je viens ouvrir le vlog. Je vous prendrai plus demain. Demain, je vous montrerai mon gâteau. Mais je vais le mettre tout de suite à la une. Ouais, c'est à la une sur Facebook, sur Instagram, comme ça mon lien est dans la barre d'infos et c'est clochette 10 si je dis pas de bêtises. J'essaierai de vous le marquer là si j'oublie pas de l'écrire, mais c'est clochette 10 sur Insta. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser et je vous reprendrai plutôt demain en meilleure mine parce qu'aujourd'hui je suis pas dans mon assiette. J'étais au sport mais avec un mal déjà de dos. Hier, en fait, j'ai bougé, j'ai fait mon coin, hein, rangé mon coin livre en fait, et j'ai bougé la machin, la roulette qui a plus de roulette toute seule, et je me suis fait mal, je me suis calé dos, voilà, mais voilà, et voilà, du coup, j'ai encore plein de choses à faire, mais aujourd'hui, j'ai dit tant pis, mais demain, c'est mon regard pour la vidéo pour vendredi et samedi, faire la cage. Et après, voilà, je dis sport. Après le sport, il faut que je donne un coup de torchon. Voilà. Et il faut que je traite mes mails aussi demain. Il faut que je vais le marquer. Comme ça sera fait. Parce que moi, je vais oublier. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous redis à demain dans ce vlog. Qui va être pas durer longtemps, je pense, pour vous cette fois-ci. Je vous retrouve demain. Bisous, bisous, bisous. Bonjour Mutulissol, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans ce vlog. On est jeudi, il est très tôt. Ma montre est en panne, je vais la mettre en charge. Du coup, je ne sais même pas la date qu'on est. On est le 3 mars, jeudi. Je suis un peu perdue aujourd'hui, mais ça va. Du coup, on est jeudi 3 mars. Voilà. Ça passe vite, on est déjà le 3 mars. Je sais qu'on est le 3 mars parce que hier c'était l'anniversaire de mon papa, c'était le 2 mars. Du coup, voilà, ça m'a travaillé. Du coup, voilà. Mais pour le moment, si vous voyez, je vous ai pris lundi.
Mardi, je vous. Mardi, je sais même plus. Non, j'ai pris. Lundi, je vous ai pas pris. Mardi, je vous ai pris. Hier, je vous ai pas pris. Et on est jeudi aujourd'hui. Du coup, je vous prends aujourd'hui. Je suis pas dans mon assiette pour le moment. Ça ira mieux après. Mais là, j'ai un coup au moral. Je sais pas ce que j'ai encore envie de pleurer là. Pour le moment, j'ai envie de pleurer tout le temps. Bon, on va pas pleurer quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de pleurer. Voilà. C'est pas le moment. Ça fait. Depuis le dernier vlog que je n'ai plus lu, je n'avance pas dans ma lecture, je suis pas dans mon assiette, je suis vraiment, je sais pas, je suis fatiguée, j'ai un ras-le-bol, mais un ras-le-bol de quoi, j'en sais rien. Je sais pas ce que je dois faire pour sortir de là. Voilà, ça va aller, je sais que ça va passer. Mais du coup, je viens pas beaucoup en vlog, je ne lis pas, du coup, bah, j'ai rien à vous dire. Voilà, j'ai pris celui-là comme lecture. J'ai lu 30 pages et je suis plus replongée dedans. Je suis pas dans mon. Le seul moment où j'arrive encore à me changer un peu les idées, c'est à la séance de sport. Parce que je vais avec mon père et que voilà, ça me fait du bien de voir d'autres personnes. Mais là, à chaque fois que je rentre chez moi, j'ai un coup de mou. Je sais pas. Voilà, pourtant, j'ai envie de me plonger là-dedans. Et en plus aujourd'hui, je reprendrai justement tantôt, il y a un livre qui va arriver, je suis trop impatiente de l'avoir. En fait, je pense que le dernier livre que j'ai lu m'a mis un coup mou. Franchement, il m'a mis un sale coup au moral. Je ne l'ai pas aimé, c'est rare quand j'ai pas aimé un livre. Et là, la panne de lecture, ça m'arrive pas souvent, quoi. Je sais pas, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est un. Un poids, j'ai un poids sur les épaules que j'arrive pas à faire partir, que j'arrive pas à comprendre non plus. Voilà, mais enfin, soit on va pas alarmer dessus. Hier, c'était l'anniversaire de mon papa, tout s'est bien passé. J'ai fait le gâteau que j'avais montré en story. Si vous voulez, il est toujours à la une à Clark 7. Je vous le montre, il est là. Je suis allée mettre la dernière photo que j'ai parce que je l'ai garnie hier. Je la mettrai celle-là et voilà. Par ça, ben, je fais beaucoup de ménage pour essayer de ne pas penser à ce qui me tracasse. Du coup, j'ai arrangé tout ce qui est là au-dessus hier. Voilà, là, il y avait plein de bordel là, j'ai rangé. J'ai plus qu'à demander à monsieur parce que moi, je ne sais pas aller le nettoyer, passer un coup sur le meuble parce que je ne suis pas assez grande pour aller jusqu'au bout. Du coup, je me dis, je ne vais pas aller faire, je lui demanderai qu'il le fasse et je mettrai en dessous pour laver en même temps la lavette. Comme ça, on sera deux. Je serai pas obligée de descendre la chaise parce que je suis mis la chaise. Voilà. Bah, je fais beaucoup de ménage pour le moment. J'aimerais m'attaquer à. Bah, vous voyez pas, mais j'ai le frigo et une armoire juste à côté que je voudrais bien m'attaquer aussi. Voilà. Mais je sais pas. J'ai pas le. J'ai un ras-le-bol. Est-ce que. Un ras-le-bol de l'appartement? J'en sais rien. Peut-être bien, j'ai envie de partir d'ici aussi, c'est ça qui a. Là, j'ai envie, c'est d'aspirer, j'ai envie de nettoyer, j'ai envie de faire ça. Mes problèmes, je ne peux pas. Monsieur en bas va encore râler et du coup, il va encore râler, il va faire tout son foin. J'ai vraiment pas envie, même je sais que à partir de. Parce que je peux maintenant, il est l'heure. Mais voilà, et du coup, je crois que c'est un peu aussi ça de ne pas faire ce que j'ai envie. Voilà, et pour le moment, j'ai tout. J'ai plein de trucs cette semaine, c'est une semaine assez chargée pour moi. Du coup voilà, lundi ben, j'ai fait beaucoup de ménage. Mardi j'étais au sport et quand je suis rentrée j'ai fait plein de choses. J'ai fait le gâteau. J'ai fait le gâteau quand je suis rentrée. J'ai mangé, j'ai fait le gâteau et j'ai fait d'autres choses. Hier, mercredi, c'était hier. Mercredi, j'ai fait plein de rangements. J'ai fait ranger là au-dessus de l'armoire. J'ai fait une machine. J'ai fait la cage de mon fufu. J'ai fait quoi d'autre? J'ai préparé le gâteau. Enfin, je l'ai emballé. C'est pas difficile, mais voilà. J'ai fait deux colis. Il y a ça aussi. Hier matin, j'ai préparé deux colis. Et au moment où je dois déposer les colis. Dans environ 2 heures, il y a la dame d'un des colis m'a dit bon, mais non, je reprends pas le livre. Ouais, vous foutez de ma gueule ou quoi? Il est emballé, je vais le déposer.
Du coup, voilà, ça aussi, ça m'a mis un coup un peu parce que voilà, c'était des sous quand même. Voilà, j'ai fait le colis pour rien. Il faut que je le déballe, je l'ai pas encore fait. Voilà. J'ai déposé l'autre colis et puis j'étais chez ma mamie et là aussi, je parle. J'ai presque rien mangé. J'ai mangé 2 morceaux de gâteau. Mais vraiment des petites tranches comme ça, plus ou moins. Et le gâteau, il faisait ça de longueur, quoi. J'ai rien mangé. J'ai mangé que ça hier. Et j'ai mangé 5 biscottes avec du chèvre dessus. C'est tout ce que j'ai mangé hier de toute ma journée. J'espère qu'aujourd'hui ça va tenir le coup pour le sport. Voilà, demain, comme vous savez, je vais travailler chez ma tantine. Puis je vais. Ben oui, déjà aujourd'hui je vais au sport. Là, je suis prête pour aller au sport. Et après le sport, je rentre, je mange, je vais essayer de prendre ma douche. Si j'ai le temps, parce que voilà. Et après, c'est parti faire les courses pour samedi. J'en peux plus, j'en ai marre. Je suis fatiguée de tout ça. Je me plie à tout le monde pour le moment. Et c'est vrai que ça commence à être un peu dur. Parce que j'ai pas un moment un petit peu à moi pour le moment. Du coup, voilà. Enfin, quand je fais mon ménage, c'est mon moment. Mais voilà, c'est pas vraiment un moment pour moi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà, je suis un peu sourd. Je sais pas. Et puis, je dors pas bien. J'ai plein de choses qui murmurent dans la tête. Et voilà, ça va passer. Ça va être un moment qui va passer, je sais bien, mais voilà. On va se remotiver. Et on va essayer de faire la semaine prochaine plein de choses pour soi. Même si je dois abandonner un petit peu de nettoyage. Voilà. Ce qui fait du bien, c'est qu'il fait bon aussi. Le seul truc qui me fait un peu chier, c'est que voilà, j'ai pas de terrasse, je sais pas mettre dehors, je sais pas aller lire dehors. Ouais, ici, si je dois lire dehors, j'allais me mettre sur la rue, quoi. J'ai pas de terrasse, j'ai pas de jardin, j'ai rien du tout. J'ai pas envie d'aller chez l'un à l'autre pour aller juste faire ça. Et je sais bien que si je vais chez ma mamie, je ne lirai pas parce qu'elle va me parler toutes les 2 minutes. Enfin, c'est pas ça, ça me dérange pas, mais voilà. Moi, c'est vraiment un moment de détente, relax, voilà. Voilà. Et puis ici, ben, j'ai un petit loulou ici pour le moment, je touche du bois. Au matin, il a demandé d'aller dans le couloir, je l'ai laissé aller dans le couloir. Pour être tranquille, le temps de m'apprêter et tout ça. Là, il vient de rentrer, il s'est couché dans le panier. Je vais être tranquille là pour un moment. Mais voilà, c'est quand c'est pas lui, c'est autre chose. C'est voilà, bah, tout me remue un petit peu pour le moment. J'ai un peu voilà. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir ce vlog parce que je crois qu'il y aura rien de spécial que du blabla. Enfin, c'est je pense que je vais vous mettre comme ça. Il y a un colis qui va arriver quand même. Je vais vous le montrer. Je suis trop contente, je suis impatiente à la voir. Il doit arriver entre 8h et 5h. Je croisais les doigts avec moi qu'il arrive entre 11h50 à au gros max 2h. Qu'il arrive avant ça. Parce qu'au moment, je vais l'avoir dans le pépette. Je vais devoir aller le chercher demain. Et demain, ça m'arrange pas. Parce que demain, je vais rentrer. Aujourd'hui, je vais faire les courses. Demain, je vais rentrer de chez ma tantine. Je dois préparer le repas de samedi parce qu'il faut que ça mijote. Je vais faire un poulet coco. Je sais pas si vous connaissez. Ça, je ne saurais pas vous donner la recette parce que je le fais au pouf. Voilà, je cuis du blanc de poulet. Après, je prends du lait de coco. Je prends des copeaux de coco. Et puis, je cuis mes blancs de poulet dans une grosse casserole haute. Que je les cuis très bien. Enfin, je les dore. Voilà. Et quand c'est bien doré, je mets le lait de coco. Comme ça, vous avez les sucs du poulet qui remet dans le lait de coco aussi. Voilà, je mets le lait de coco, je sel, poivre. Et après, là, à ce moment-là, c'est quand ce soit. Enfin, quand monsieur rentre vendredi. Il goûtera et on fera nos petites améliorations. Parce que je ne mange pas de coco. J'aime pas du tout ça. Mais pas du tout. Du coup, voilà. Du coup, je fais des cocos pour tout le monde, sauf pour moi. Voilà. Ça aussi, ça m'embête. Je vais manger pour les autres, pas pour moi. Mais c'est un plaisir de faire pour manger pour les autres. Mais voilà, c'est encore un point qui me chagrine. Parce que voilà. En plus, c'est pas que c'est moi qui l'a décidé. On me l'impose de faire à manger. Ça aussi, ça m'a peau. Enfin, c'est pas ça, ça me dérange pas, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est. Voilà, c'est ma mamie qui m'a dit, ah, tu ferais pas du coco pour samedi pour ton père? Bah oui, on va faire ça. Moi, j'avais pas prévu là maintenant, je pensais, mais pas plus tard, mais voilà, encore une fois, ben, je m'attrape
Enfin, soit tes accords, voilà. Pas comme je veux et c'est comme eux ils veulent et voilà, c'est un petit peu ça le lourd pour le moment. C'est toujours quand eux ils veulent, voilà. Mais ça va aller, on va s'y mettre, on va reprendre le moral. J'ai envie de pleurer, c'est grave. Voilà, je vais aller au sport, ça va me détendre. Je vais aller m'épuiser par là-bas. Ça va me faire du bien. Et moi, je vais vous laisser parce que là, j'ai un coup d'envie de pleurer. Et j'ai vraiment pas envie de faire ça. Et je vais essayer de lire un quart d'heure, un petit peu, pour essayer d'avancer quand même. Voilà. Je suis sûre que là, maintenant, Mariette m'a récupéré. Il lui restait 200 pages à son gros pavé. Et pas 245. Comme elle est plus ou moins 100 pages par jour et que ça fait je sais pas combien de temps. Moi depuis lundi j'ai pas lu. Voilà. Enfin si c'est lundi, mardi. C'est lundi ou mardi j'ai lu. Je sais plus comment quand j'ai commencé. Mardi je crois que je l'ai commencé. Ouais j'ai fini lundi le livre. Ouais, je sais même pas si je l'ai marqué dans mon livre. Voilà. Vous savez si comme j'ai commencé que 30 pages, pas grave. C'est pas comme si j'avais lu beaucoup, je vais le marquer pour aujourd'hui par exemple, ou demain, et voilà quoi. Mais demain, je vais avoir de la chance, et comme le poulet, il faut le temps que ça cuit quand même. Bon, en attendant que ça cuira, j'essaierai de peut-être bouquiner un petit peu, puis ça va mijoter, je lirai aussi. Demain, après-midi, je vais essayer de juste faire cuire le poulet, faire sa sauce, tant que ça mijote, repos. Voilà, parce que j'aimerais bien essayer de lire un petit peu et de me prendre une douche, laver mes tignasses. Voilà, parce que comme je vais 2 fois semaine au sport et que je les lave pas automatiquement, moi je n'aime pas les laver tous les jours. C'est trop de boulot pour moi, avec ma longue tignasse. Voilà, c'est trop de boulot. Et du coup, ben, fin de semaine, je vais les laver. Demain. Ouais, demain, on est vendredi. Je bug, je vous dis. Demain et du coup voilà je ferai ça demain voilà hier j'ai monté et tourné 2 vidéos j'ai une tête affreuse dessus j'ai dit tant pis j'ai pas de chance il fallait que je les fasse j'ai pas voilà du coup avant ce vlog samedi pour moi ici pour vous ce sera une semaine décalée vous avez pas de vlog parce que j'ai perdu les rushs. Du coup, vous avez un top 5 de mes lectures favoris du 2021-2020. 21-2022. Enfin, j'ai mélangé un peu les livres parce que voilà, je ne savais pas quoi mettre. Parce qu'en plus, tous les livres que je lis pour le moment, je mets dans le grenier au-dessus. J'ai une boîte que mon monsieur a ramenée et je mets tout dedans. J'avais vraiment pas envie d'aller tout fouiller. Du coup, voilà, je les ai mis là et vivement que j'en ai une maison. Qu'on déménage d'ici. Voilà. Mais c'est pas encore arrivé pour le moment. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et moi je vous reprendrai plus tard pour le déballage du nouveau colis. Et j'espère d'avoir avancé un petit peu dans mon livre et avoir une meilleure mine pour vous parler demain, peut-être déjà. Enfin, tantôt, je vais essayer d'avoir une meilleure mine. Je serai fatiguée tantôt. Avec le sport, les courses, je vous prendrai peut-être aux courses. Enfin, je vais à Colruyt. C'est pas intéressant pour vous, Colruyt. Peut-être que je vous montrerai le lait de coco. Ouais, on verra. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des bisous et je vous reprends tantôt. Recoucou, on est toujours jeudi, le 3 mars. J'ai reçu mon colis comme je vous ai dit au matin. Du coup, moi je sais c'est quoi, je suis impatiente de le découvrir. C'est la sortie du jour en plus. Voilà. Je suis un peu triste qu'ils ne l'ont pas fait en narbac. Il est en brochet. Mais il est très beau. La reine des... Il est trop beau. Regardez cette épée, cette couverture. Là, ici. Voilà. Oh, c'est écrit go. J'aime bien la... Hop. Regardez le petit dessin. Il sent bon. C'est la collection. C'est une nouvelle collection chez Hugo. C'est Go Star. Star Cluc. Je sais pas comment ça se prononce. Mais il est trop beau. Même l'arrière.
Mais il est trop beau. Trop, trop, trop beau. Ah bah, il n'y a rien là. C'est juste... C'est écrit gros. J'ai trop envie de le lire là maintenant. Là. Voilà. Je regardais s'il y avait un peu. Traduit de l'anglais. Traduit de l'anglais par Pauline Vendal. 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 Saison 1, chapitre 4. Regardez ces chapitres. Trop beau. Il est trop beau. Il n'est pas abîmé. Je suis trop, trop, trop contente. Là, j'ai envie de le lire. J'ai envie là. Mais non, je peux pas. Je vais aller attendre bien sagement ma prochaine lecture plus tard. Voilà, je voulais vous ouvrir jusque ça. Que ça vous ouvrir. Oh, c'est vide. J'aime bien les colis à ouvrir. Voilà, je vais faire un petit Instagrammeuse aussi après. Vous voyez mon petit chat, ma mémère. Elle est belle, hein? Et tout mon bordel qui est là, qu'il faut que je range. Voilà, je suis revenue du sport. Ça s'est bien passé. J'ai juste un peu froid. J'ai mangé, j'étais en train de me reposer. Je sais même pas quelle heure il est. Je suis fatiguée. Je suis claquée. J'arrive pas à me remettre. Voilà, vous avez compris ce matin. C'est toujours le même zing. C'est-à-dire que je suis pas toujours bien. J'arrive pas à me remettre. Le sport, ça m'a fait du bien. J'ai fait mes 20 minutes de tapis. J'ai fait un peu mes bras. À un moment, j'ai un peu abandonné. J'étais pas dans un bon mood aujourd'hui. C'est pas un bon mood pour moi. Bon, demain, on va se remettre. On va se reposer aujourd'hui. On va faire ce que le corps me dit. Et voilà. Et quand ça ira mieux, ben voilà. Du coup, voilà pour cette ouverture. Je n'ai rien d'autre à vous dire, à part que ce livre est magnifique. Je vais le rechercher, mais il est magnifique. J'ai envie debout. Et même les petits... je ne sais pas si vous allez voir. Coupures de chapitres. Ils sont trop beaux. Et c'est écrit assez gros quand même. Vous voyez, c'est... Non, il est trop beau. Je ne vous ai même pas parlé de l'histoire. Vous voulez que je vous parle de l'histoire? Oh, il y a un peu une trace. Personne ne connaît l'étendue du pouvoir du roi des ombres. Franchement couronné, certains disent qu'il ne peut contrôler les ombres qui rentrent autour de lui, qui règnent autour de lui, et des manipulations de sa guide, d'une. De l'autre, que les ténèbres lui murmurent le secret de la de les ennuis, peu importe. Alexandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune fille n'est pas la seule personne qui cherche à conquérir le royaume. Et alors que les attaques envers le roi et se multiplient, là, et elle se retrouve à devoir mettre toute ses énergies à la défense du temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour le roi des ombres qu'une reine parfaite et pure. Voilà pour le résumé. J'ai jamais vu le lieu un petit peu roi et tout ça. Il y a un nouveau aussi Instagram. Je vous montre comme ça vous allez le voir. Hugo Strabrust. Je crois que ça se dit comme ça. Il est trop beau. Et l'échelle a l'air petit. Ah ouais, c'est vraiment... Regardez, c'est vraiment... Non, je suis impatiente de le lire. Il va essayer de le lire bientôt. Faut que je lise. Là, je vais faire
préparer à boire et je pense que je vais lire un petit peu. Je sais pas quelle heure il est parce que j'ai pas remis ma montre. Il est 1h37. Je vais aller faire pipi, boire un coup et je pense que je vais me remettre un petit peu dans ma lecture. Voilà. Sur ce, je vous laisse et peut-être que je reprendrai tantôt ou peut-être pas. On verra si maman Azamzo il veut bien. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonjour, mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi, très bien. On est dimanche 6 mars. Je vous ai pas beaucoup pris cette semaine. Voilà, mais ça ira mieux lundi. Je viens vous parler de quelques trucs. Et après, je vais conclure ce vlog et le monter dans la foulée et vous l'insérer pour samedi prochain. Enfin, samedi qui va arriver du coup, parce qu'on est dimanche. Ouais, j'ai une tête déterrée. Je viens de sortir de la douche. Et du coup, je me dis que j'allais vous prendre. Du coup, on va parler. Je sais pas si celui-là, je vous en ai déjà parlé. Mais tant pis. La reine courtisane. Ouais, je crois que je vous avais lu le résumé dans un précédent. Voilà. Du coup, la reine courtisane. Je vais pas trop faire les quatrième de couverture. Je vous parlerai peut-être d'un petit bout, mais voilà. Home Campus taille H de chez Addictif en poche. Je sais juste que c'est un professeur qui va être amoureux de son élève, un truc comme ça, ouais. Et c'est interdit à ne pas franchir. Mais c'est si c'est ça, le referait, recommanderait. En fait, c'est un élève qui va être amoureux de son prof ou un truc comme ça. Et ça a l'air trop bien, sauf que c'est écrit au bonheur. Voilà, mais il donne très envie. Voilà. Après, celui qu'on voit partout. Attends, attends. Science, spoiler. Chez Hallville, la comédie romantique. Voilà. Si je vois bien, c'est en plusieurs petits chapitres qui a l'air pas mal. J'en ai jamais lu encore un genre de roman, enfin de comédie comme ça. Du coup, voilà. Je verrai bien ce que ça donne. Voilà, pourquoi pas. Et j'aime beaucoup cette couverture. Beaucoup de gens ont bien apprécié. Du coup, je me dis pourquoi pas. Je l'apprécierai aussi. Du coup, voilà. Après. Oh là là, il est trop beau celui-là. Il est trop, trop, trop beau. J'aime bien la couverture. Je vais pas vous lire le nom. Parce que je vais tout spoiler. Je vais tout spoiler, j'allais dire. Tout détruire. Mais j'aime beaucoup les chapitres de ce livre. Voilà. Dada. Voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'avais lu, mais j'ai une mémoire de poisson. Commandant. Condamnement. Ah ouais, il a des travaux généraux à faire. Et du coup, il va aller dans un ranch. Comme ça qu'on dit un ranch. Dans le Montana. Et il va devoir faire les trucs à faire. Et je pense qu'il va y avoir une petite romance avec la personne qui tient le ranch. Voilà. On verra bien ce que ça donne, mais il donne très envie aussi. Et le meilleur, c'est celui-ci. Attirance contraire. Chez Nisha. Voilà, j'aime beaucoup cette couverture. Elle est trop belle. Il est tout petit par contre. Et ici, c'est un jour où son père invite toute la famille Swen, qui a toujours vécu dans l'ombre. Engage hors de question pour lui être le vilain petit canard de débarquant seul à cette réunion de famille. Alors il demande à Bette de l'accompagner en se faisant passer pour sa petite amie le temps d'un week-end. En compartie, il aidera à payer les frais médicaux de sa grand-mère. Voilà. Et je pense qu'ils vont pas avoir un petit truc ensemble. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Voilà. Et il me donne très envie aussi. Il est tout petit. Voilà. Et cette autrice, j'en ai plein d'elles à lire. Il faudrait que je m'y mette. Voilà pour les quelques livres. Quelques livres. Et pour ma lecture, je n'ai rien lu. Je n'ai pas lu cette semaine. J'ai une déprime. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie d'un peu de lire. Du coup, je pense que je vais faire les petits trucs que j'ai à faire au PC. Monter ce vlog.
Et début fin d'après-midi, j'essaierai de lire. Et si ça va pas, ben tant pis, hein, on fera comme mon corps dira. Voilà. Voilà. À part ça, j'ai passé un bon samedi. Ça m'a fait du bien de changer des idées. Du coup, samedi, on a. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai été chez ma mamie de 10h à. De 10h à 22h. Je suis rentrée chez moi qui était 22h. Et là, bah, après, j'étais mieux couchée. J'ai pas fait grand-chose. J'ai fait mon poulet coco. Voilà. Et voilà. Et on a bien rigolé. On a joué en Uno. En Rami. Je sais pas si vous connaissez. Rami déposé. Voilà. Ça fait du bien. Ça a changé les idées un petit peu. Voilà. Et à part ça, j'ai rien d'autre à vous raconter. Voilà. J'ai une nouvelle bibliothèque qui va s'installer. Voilà. Il faut que je la remplisse maintenant. On l'a lavée. Monsieur l'a installée. J'ai plus qu'à ranger pour la mettre tout dedans. Voilà. Et voilà. Mais j'ai pas le courage là. J'ai été me laver, j'ai fait ma douche. J'ai déjà fait plein de choses. C'est déjà ça. Voilà. Mais j'ai rien d'autre à vous dire. Du coup, je vais conclure ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu quand même. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas de lecture. Mais tant pis. Il y aura quand même un unboxing dedans. Enfin, un petit unboxing. Enfin, parce que je ne les ai pas unboxés devant vous. Mais voilà. Je les ai eus hier. Et voilà. Pour ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous plaira quand même. Je vous mettez, si vous voulez bien, mettre des petits pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. Et sur ce, moi je vous prends dans le prochain vlog demain. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.